Lizingley est arrivé à Shanghai en juillet 2013, tout juste 20 ans après l'inauguration de la ligne 1 du métro. C'est aujourd'hui le second réseau métropolitain au monde. Elle a été fascinée de voir à quel point son développement a modifié la structure géographique, économique et sociale de la ville au cours de ces 20 dernières années. Aujourd'hui, les 16 lignes de métro transportent quotidiennement plus de 8 millions de personnes en moyenne. Il y a 20 ans, sur une année, seulement un peu plus d'1 million d'usagers avaient emprunté la ligne 1. Lizingley est parti à la rencontre des paysages et des histoires de vie autour de chacune des stations terminus, les utilisant comme des repères qui délimitent cette cité en perpétuelle expansion. Ces images ont été prises au cours des 2 premiers mois de son séjour à Shanghai, qui furent historiquement les plus chauds depuis 140 ans. Elle a visité chaque terminus de ligne, un après-midi ou une matinée, afin de capter ses brèves aventures. Les stations apparaissent dans l'ordre de ses visites. La dernière image a été prise le 1er septembre 2013 sur la rue Luoshan, le jour même de l'inauguration de cette nouvelle station.